Audrey Lamy est une mère comble. Thank you. Pour preuve, elle est de Gela Mamandé, un Gasson Pronam Lo, né en 2016. Ce dernier fait le bonheur de celle-ci, mais aussi celui de son compagnon. Tout au long de sa carrière, la quadragénaire accomple le rôle de plusieurs mères de famille comme ce fut le cas dans Degré Rebelle, plus ou moins, Degré Marum, plus ou moins ou encore dans Degré Police, plus ou moins. Ces rôles, la comédienne les avait interprétés à merveille, visiblement sans difficulté. En effet, elle aussi est mère dans la vraie vie et se trouve être très proche de son fils. Pour rappel, elle, humoristaine, a un enfant. Et elle aurait dû en avoir un autre si elle n'avait pas fait une fausse couche. Son idylle avec Thomas Sabatier depuis plus de 10 ans, Audrey Lamy file le parfait amour au code de Thomas Sabatier. Ce dernier est un entrepreneur spécialisé dans le marketing viral et les médias sociaux et est diplôme de business franco-britannique avec une spécialisation en business international et marketing. La comédienne Audrey Lamy. Source. Getty Images MCN, et pas tout. Le jeune homme est aussi à la tête de deux sociétés, Big Mitch fondée en 2012 ainsi que Knoozab, créée en 2015. En plus d'être un passionné du monde des affaires, le beau gosse est également un vrai gentleman. Et là, son ses droits d'auteur N, et plus à prendre. Depuis 2011, il a emménagé avec elle, élu de son ses droits d'auteur et après avoir eu un coup de foudre pour elle. La comédienne Audrey Lamy. Source. Getty Images. Sa relation avec Léo 5 ans approc. Ils se sont installés ensemble, le couple a accueilli un enfant en 2016. Un garçon avec qui ils sont très proches. D. Après la quadragénaire, elle trouve toujours le moyen de passer du temps à passer avec celui-ci et essaie à chaque fois de faire passer sa famille avant tout. Vous elle, aurait peut-être devine, elle est une femme très protectrice, mais aussi très douce, surtout envers son fils unique. Toutefois, dans des interviews, elle a aussi tenu à affirmer qu'elle est une mère plutôt angoisse. L'actrice Audrey Lamy. Photo, Getty Images, Degré de Jacques, à la base, je suis une angoisse, là, qu'a atteint des sommets. Il a un rhume, j'appelle 12 fois le pédiatre, ma mère, etc. Heureusement que j'ai un mari plus détendu et rassurant, plus ou moins a-t-elle révélé. Selon ses dires, cette maman poulaine est ni une mère parfaite, ni une mauvaise mère, mais elle tient juste à protéger les siens et les préserve des médias. Comparer son enfant à un autre, Audrey Lamy essaie de ne pas le faire. Comme toutes les mères, parfois, c'est plus fort qu'elles. Degré, je me suis entendu dire récemment à mon nupaillé, quoi, ta fille parle déjà comme qu'à son âge? Mon fils parle beaucoup moins bien. Plus ou moins, a-t-elle dit en 2019, dans Degré Psychologie, plus ou moins. L'actrice Audrey Lamy. Tôt. Getty Images. Elle a perdu son deuxième enfant. Ils sont heureux, mais ont voulu agrandir leur famille quelques années après la naissance de l'eau. La future est droit d'auteur et au frère de ce dernier est aidé, ailleurs en cours puisque, en 2019, elle, ancienne star de Degré Sins de Menage, plus ou moins est apparue avec un baby bump au Bold Woman Awards. Le prénom du bébé a même déjà été choisi, malheureusement, Hélène, a pas vu le jour. En effet, comme elle, a relaté un communique, qui a ensuite été posté sur Twitter, Audrey a fait une fausse couche. Degré, la comédienne Audrey Lamy et son compagnon, qui attendaient leur deuxième enfant, ont perdu leur bébé, plus ou moins indique la maman avant d'ajouter. Degré très affecté par ce drame,
Audrey Lamy ne souhaite pas s'exprimer à ce sujet et demande aux médias de bien vouloir respecter son deuil, sa douleur et celle de sa famille. Plus les internautes ont longuement critiqué le poste. Elle est très discret, mais c'est aussi attiré elle. Abonnez-vous à Amour Mama sur Google News.